Eh bien salut tout le monde les amis, nouvelle vidéo analyse pronostic et cette fois-ci on va partir du côté de nos amis québécois, on va partir à Montréal pour le Grand Prix du Canada 2022. Alors j'ai énormément de choses à vous dire, déjà première chose exclusivement, exceptionnellement sur cette vidéo, il n'y aura pas de débriefing de la première et de la seconde séance d'essai libre. Généralement j'ai toujours tendance à faire un débrief d'au moins une séance, là pour le coup malheureusement avec le fait que ce soit ce soir à 20h, j'ai pas envie de vous sortir la vidéo trop tardivement, donc voilà, je préfère vous la sortir dans l'après-midi, comme ça vous avez le temps de faire votre pronostic. Ça tombe bien, en parlant de pronostic, vous pouvez d'ores et déjà voir le tableau des pronostiqueurs s'afficher à l'écran. Autre chose, voilà, j'ai tendance à chaque fois l'oublier, mais il faut faire votre pronostic avant la séance de qualification du samedi, sinon malheureusement je ne le comptabiliserai pas. Voilà, merci aux personnes qui me l'ont fait remarquer, et bien évidemment je vous rappelle les règles, je vous mets 3 points si vous me donnez le podium dans l'ordre et un point si vous me donnez juste le vainqueur. Alors on est parti maintenant pour cette vidéo. Dans une première partie, les caractéristiques de ce circuit, et dans une seconde partie, eh bien je vais vous donner mon pronostic avec une analyse un petit peu plus approfondie que d'habitude, et notamment avec pas mal de changements de réglementation sur lesquels je veux absolument revenir. Alors pour les caractéristiques de ce circuit, comme d'habitude je vous mets un de mes tours sur F1 2021. Alors au niveau du programme, ce soir vous pouvez retrouver la première séance d'essai libre à 20h, la seconde à 23h. Pour la journée du samedi, la troisième séance d'essai libre arrivera à 19h, la qualification à 22h, et pour la journée du dimanche, la course quant à elle va se dérouler à partir de 20h, et vous pouvez bien évidemment retrouver ma vidéo débrief juste après la course dans la nuit. Au niveau des prévisions météo, alors là c'est super important, puisque je sais pas si vous regardez par exemple sur les réseaux de la F1, eh bien il y a de très très grosses pluies en ce moment du côté de Montréal. Alors pour la journée du vendredi, on attend des températures entre 23 et 24 degrés avec jusqu'à 74% de chance d'avoir de la pluie. Pour la journée du samedi, entre 12 et 14 degrés, donc des températures très très basses. Pour chauffer les pneus, il va falloir vraiment y aller, avec des chances de pluie de 76%. Donc ça reste énorme, tout simplement. Je pense qu'il va pleuvoir pendant la séance de qualification. Et pour la journée du dimanche, eh bien c'est totalement l'inverse, des températures entre 18 et 19 degrés, mais aucune chance d'avoir de la pluie. Donc voilà, ça pourrait être intéressant de voir comment les pilotes vont élaborer leur stratégie vis-à-vis de la pluie, vis-à-vis du sec. En parlant des pneumatiques, eh bien les pneus sélectionnés par Pirelli sont les C3, C4 et C5. Donc ça reste, comme d'habitude, la gamme la plus dure au niveau des chronos. Alors le tour en course le plus rapide avait été réalisé par Valtteri Bottas en 1 minute 13 secondes. Le tour le plus rapide en qualification avait été réalisé par Sébastien Vettel en 2019 en 1:10.240. Au niveau de la distance, elle est de 4,3 km. La longueur de la course au total sera de 305 km. La première apparition de ce Grand Prix fut en 1978. Le nombre de tours sera de 70 tours. Il y aura 3 zones de DRS, dont 2 zones de détection. Le nombre de virages sera de 14 virages. 6 à gauche, 8 à droite. La pole position se situe à la gauche du circuit et la distance entre la pole et le premier freinage est environ de 163 mètres, donc un petit peu plus long que Bakou. Donc voilà les amis concernant ce Grand Prix du Canada. Donc les amis, qui dit vidéo pronostic dit également partenaire des vidéos pronostics. Eh bien le partenaire en question, c'est nul autre que Betclic, c'est un site de paris en ligne. Et si vous voulez parier par exemple sur le Grand Prix du Canada, eh bien Betclic propose jusqu'à 100€ offerts avec mon code promotionnel RamiF1. Ça soutient la chaîne, et bien évidemment le jeu reste un jeu de hasard, donc c'est un jeu dangereux, et si vous êtes mineur, ce n'est pas fait pour vous, donc faites attention à vous tout simplement. Alors les amis, avant que je vous donne mon analyse et surtout mon pronostic en détail, il faut absolument que je revienne sur le communiqué de la FIA qui est officiel concernant le marsouinage, puisque le marsouinage pose énormément de problèmes, que ce soit en termes santé ou en termes performance à certains pilotes. Et bien la FIA a pris des directives tout simplement pour essayer de le réduire au maximum. Alors, la FIA a publié une directive technique dans le but de réduire le marsouinage. La FIA a décidé d'intervenir après une consultation de ses médecins dans l'intérêt de la sécurité des pilotes. Une limite d'oscillation verticale sera ainsi fixée pour toutes
les écuries. Alors là, il faut faire extrêmement gaffe puisque les limites du maraudage vont être fixées avant les essais libres 3. Et si une écurie ne présente pas une configuration jugée sûre, elle sera contrainte d'augmenter sa garde au sol de 10 mm. Les voitures qui dépassent toujours les limites seront, quant à elles, disqualifié. Donc voilà, il faut faire très très attention. Il faut savoir que si vous augmentez la garde au sol de 10 mm, ça a un impact énorme sur l'aérodynamisme, notamment sur l'appui de votre monoplace, donc c'est vraiment quelque chose de très très pénalisant. Et un pilote a voulu revenir sur ce communiqué. Eh bien ce pilote, ça reste quand même un pilote concerné, c'est nul autre que Max Verstappen. Max Verstappen a cité lui-même, ça ne devrait pas arriver qu'une équipe se plaigne beaucoup et soudainement ensuite il change les règles autour de ça. Si vous ne pouvez pas concevoir la voiture correctement pour cela, alors c'est votre faute, ce n'est pas la faute du règlement. Voilà, il faut savoir que Red Bull n'ont pas forcément énormément de problèmes dus au maraudage, même pas du tout de problèmes. Même Ferrari sont touchés, mais Red Bull ont l'air totalement en dehors de ce problème. Alors, vous me dites, hein, bien évidemment, ça reste la question de cette vidéo, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Max Verstappen? Est-ce que, quand il y a un problème comme ça, dû à des écuries qui se plaignent, est-ce qu'on doit changer le règlement, ou est-ce qu'on doit totalement se fier au règlement qui est mis en place dès le début de saison? C'est la grande question de cette vidéo. Et j'en reviens maintenant à mon pronostic. Alors, déjà, première chose à savoir, il se pourrait que Charles Leclerc puisse utiliser une troisième unité de puissance, un quatrième turbo, donc ça équivaudrait environ à 10 places de pénalité sur la grille. Donc si jamais Charles Leclerc prend 10 places de pénalité, je le vois très très mal finir vainqueur, notamment avec un Max Verstappen qui est juste impérial en ce moment. Il est intouchable et en plus il a une régularité qui est juste exceptionnelle. Donc honnêtement, pour mon pronostic, ça a été très très difficile de trouver le troisième sur ce podium. Les deux premiers, ça reste assez simple, on va pas se le cacher, parce que voilà, je vois quand même, encore une fois, une domination de la part de Red Bull. Je vois Max Verstappen gagner, enfin Max Verstappen finir en première position, Sergio Perez en seconde position, puisque même si Sergio Perez est plus rapide que Max Verstappen, je le vois très très mal se mettre contre son équipe pour gagner cette course ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais par contre pour la troisième position, si jamais Charles Leclerc n'est pas présent, honnêtement, on a forcément certaines questions à se poser, et moi j'hésite en fait entre quatre pilotes. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais j'hésite, voilà, tout simplement. Bon, j'en ai choisi un, bien évidemment, entre les quatre, mais je vais quand même vous les donner. Déjà, le premier pilote, ça pourrait être Carlos Sainz, pour finir sur le podium. Son coéquipier n'est pas là, il pourrait récupérer des points très très importants pour Ferrari, donc, envie de dire, pourquoi pas, et en plus, il fait pas un super bon début de saison, et même quand il a des bons moments, entre guillemets, il finit toujours par être malchanceux. Donc, voilà, là, pour lui, c'est l'occasion ou jamais. Le deuxième pilote, ça pourrait être George Russell qui est tellement surprenant, on le voit jamais, mais il est exceptionnel, que des top 5 depuis ce début de saison. Donc honnêtement, ça ne me surprendrait pas qu'il termine sur le podium derrière les Red Bull. Le troisième pilote, ça pourrait également être Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton, c'est un petit peu plus pour la petite histoire, voilà, à chaque fois j'ai un choix du cœur. Voilà, à Monaco c'était Charles Leclerc, mon choix du cœur, en Espagne c'était Carlos Sainz, aux Pays-Bas ça sera Max Verstappen. Là pour le coup, rien que pour l'histoire entre Lewis Hamilton et ce tracé, voilà, il faut savoir que Lewis Hamilton a tout défoncé à Montréal, il faut le dire, il a été dominant, c'était juste exceptionnel cette époque, et du coup rien que pour la petite image, j'aimerais bien le voir sur le podium. Après voilà, ça reste très très difficile, mais bon, on verra après le maraudage comment Lewis Hamilton va se comporter avec cette monoplace. Et le quatrième pilote, ça serait Charles Leclerc, parce que même si Charles Leclerc prend 10 places de pénalité, honnêtement, j'ai déjà vu des remontées plus spectaculaires, voilà, donc ça ne me surprendrait pas, et Charles Leclerc, c'est un talent monstre, et en plus, il a la bonne voiture entre les mains, donc honnêtement, finir sur le podium, ça ne serait pas forcément surprenant venant de lui. Après, là où ça pourrait être très très dur, ça serait pour Carlos Sainz, parce que si Carlos Sainz commence cette course devant Charles Leclerc, ou du moins peut-être 3e ou 2e sur la grille, et que Charles Leclerc est derrière, et qu'au final Charles Leclerc termine quand même devant Carlos Sainz, rien que pour le mental, déjà que le mental de Carlos Sainz doit être quand même très très entamé, voilà, ça va être, si Charles Leclerc dépasse son coéquipier, honnêtement Carlos Sainz, c'est dur, hein. J'ai pas envie de voir ça honnêtement, donc
Donc voilà, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça. Bien évidemment, ça reste que des suppositions. On est là pour analyser, on est là pour peut-être essayer de prédire ce qu'il va se passer. Donc, je vais maintenant vous donner mon podium. Les deux Red Bull, Max Verstappen premier, Sergio Perez deuxième et en troisième position. Bon, j'ai tendance à chaque fois à choisir le choix du cœur. À Monaco, j'avais dit Charles Leclerc, en Espagne, j'avais mis Carlos Sainz. Là, pour le coup, je pense que si... je choisis la logique, je vais aller sur un George Russell troisième parce que voilà, George Russell, selon moi, il est d'une régularité exceptionnelle et honnêtement, je le vois sur le podium si jamais Charles Leclerc n'est pas dans le coup ce week-end. Donc voilà les amis, concernant mon pronostic, concernant cette analyse, vous avez tout ce qu'il faut à savoir pour ce Grand Prix, vous êtes préparés. On se retrouve bien évidemment dimanche après tout simplement ce Grand Prix. Malheureusement, la vidéo va sortir très très tard. J'espère vous retrouver dimanche soir ou sinon, bah, on se retrouvera lundi matin ou lundi après-midi pour ceux qui iront travailler. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée, passez un très très bon week-end, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.